Allô? Je sais plus, je crois que c'est F3 ou F12. Ah, Alicia qui est revenue. Faut prévenir les autres que je suis de revenu. Je suis de retour. 1, 2, 1, 2. Drake 14 qui est là, avec Goldberg évidemment. Alors, vous allez trouver ça bizarre. C'est qu'en fait, je vais regarder ici le chat, là, en face de moi, le jeu de côté. J'avais tellement l'habitude de mettre le jeu là, mais je sais pas pourquoi, quand je mets sur l'écran là, ça fonctionne pas. Du coup, je vais mettre sur l'écran là, tant pis. Alors, la vache, quelle soirée, hein. Quelle soirée, quelle soirée. En tout cas, il y a Alicia, il y a Drake 14. Je pense qu'Amandine, elle va arriver. Alors, juste actualiser le chat. Ouais, bon, le temps que ça met correctement. Du coup, les amis, on se retrouve pour la suite de Batman. Que j'avais commencé en vidéo. Du coup, je vais terminer en live. Du coup, ça va remplacer Naruto. Voilà. Du coup, on va pas recommencer une nouvelle partie. On va continuer la partie où je suis arrêté en vidéo. Du coup, la vidéo elle sortira du coup dans les jours à venir, hein, parce que je pense qu'on va bien enchaîner sur Batman. En tout cas, les amis, vous pouvez marquer coucou YouTube parce que vous avez passé sur YouTube aussi, hein. Vous pouvez dire coucou YouTube parce que la vidéo elle sera sur YouTube. Du coup, du coup, voilà. Du coup, ça sera l'épisode numéro 2 aujourd'hui. Naruto, c'était pas assassin? Naruto, j'ai fini tout à l'heure, Aïssia. Drake, je te jure. Naruto, c'était pas assassin. Non, normalement. Alors, je vous explique. Naruto, je viens de finir. Il était quoi? Il était 17h30, un truc comme ça, quand j'ai fini le jeu, aujourd'hui. Et normalement, il devait y avoir Assassin. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis le maillot. Voilà. Assassin Spring. Voilà. Je voulais mettre dans le concept. Voilà, je voulais me mettre bien dans les conditions et tout. Sauf, malheureusement, je peux pas faire en live. Parce que ça bug, ça freeze et tout. Et du coup, j'ai décidé le swag. Salut ça, beau gosse que je suis quand même, Drake. Du coup, voilà, Assassin, voilà, ça sera en vidéo, que je tournerai en vidéo. Du coup, j'ai demandé aux gens qui étaient sur le live en question, quel jeu vous voulez que je fasse en live, quoi, à la place de Naruto, qui remplace Naruto. Parce que Naruto est fini, du coup, faut choisir un autre jeu. Et du coup, on a les deux personnes qui étaient sur le live avant, ils ont décidé que je continue, que je fasse du Batman. Et du coup, voilà, c'est fait. Du coup, le premier épisode sortira très rapidement sur la chaîne. Du coup, Batman. Du coup, je mettrai le premier épisode, je pense, dans la semaine. Ou à la fin. Ouais, peut-être dans la semaine, un jour dans la semaine. Que j'ai pas prévu de mettre une vidéo, du coup je vous mettrai du Batman. Comme ça au moins vous serez vous aurez les deux épisodes de Batman bien avance et puis tout ça. J'espère que vous kiffez le titre que j'ai marqué, hein, les amis, hein. N'hésitez pas à me dire. Du coup on va continue partie. Et puis voilà, comme ça même si vous avez loupé le début, vous allez tout de suite comprendre et puis au moins comme ça vous reprendrez tout ça quoi. De mon côté en tout cas c'est cool. Le déménagement avance bien. Ah c'est cool Drake. C'est vraiment cool. Du coup j'étais arrêté ici dans le premier épisode, La hein, tout police pense simplement. que le pingouin a assassiné Black Mask. Mais pourquoi m'enverrait-il ici si c'était lui le tueur? Ça n'est pas Du coup, logique. tout fonctionne bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien le son du Je dois jeu? Est-ce reconstituer la que scène de crime vous me avec voyez l'analyse en bien? police. Est-ce que voilà, tout fonctionne correctement de votre côté et tout? N'hésitez pas à me dire, les amis. Comme ça, on peut jouer tranquillou. Du coup, tout est bon. Bon, ok, merci Alicia.
Merci, merci. Yep, nickel, ok. Bon. Ah bah du coup, Aïssia, t'as été voir Morbus. Tout à l'heure, tu t'as dit... T'en as Cette ligne pensé de quoi de vue était Morbus? toujours. Le feu et l'exposition aux J'aimerais événements bien ambiants avoir d'une ton avis façon sur intime et Morbus. difficile. Je ne veux pas Re, trop décevoir, Amandine. mais je ne peux pas savoir T'inquiète s'il pas, t'as s'agit rien d'un grand loupé, bâtiment je viens de suisse ou d'un commencer. lycée belge. Je Mon viens de patin sur commencer, t'as place. rien loupé. T'inquiète pas. Alors. Je peux Alors, c'est un identifier jeu la que j'ai jamais victime fini, hein, féminine grâce à les ses amis, hein, je empreintes, préfère vous le dire tout de diphtongue suite. rose, Moi aussi, j'ai vu et dents Morbus, je massives me suis ou chié autre. dessus. Ce n'était pas un Sérieux? ange, Il fait peur à ce c'était une point-là? délinquante. Mais rien ne semble indiquer que c'était elle la cible. Il fait peur à ce point-là, Amandine, le film? Parce que soi-disant, c'est pas trop horreur, qu'ils ont enlevé pas mal de choses type d'horreur, mais s'il fait peur à ce point-là, ça donne envie d'aller le voir, quoi. L'incendie s'est déclaré à cause d'un cocktail Je suis un molotov peu une formé dans la flippette. pièce. Mais non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. C'était sans doute dans le but de En détruire vrai, il est l'épreuve. super bien fait au niveau des effets spéciaux. Ah ouais? Ok. Parce que j'ai... Bah, c'est pas que j'avais pas envie de voir parce que j'ai eu pas mal de points négatifs sur le film. C'est juste que j'avais d'autres priorités à passer. C'était Sonic 2 à aller voir avant Morbus. Après Morbus, tu vois, j'étais plus trop Trajectoire chaud pour y basse de la aller. balle suggère que C'est le tireur pointait quelqu'un comme la taille du tous les pingouin. trucs que tout le monde disait, ouais, Mais c'est les nul marques et sur le tout. sol indiquent que la victime a été tuée par une Mais personne en non fin de forcément compte, il est bien, identifiable. quoi, le film. Globalement, j'ai bien aimé l'histoire et incroyable. Il fait pas trop peur, mais il y a des moments épouvantes. Style la musique qui te dit il va arriver de n'importe où. Ah ouais, je vois le délire, ok. Ok. Ouais, bah après, ça vous. Après, s'il passe pas trop loin chez moi, je vais Cette aller balle voir, provient mais d'un revolver. j'irai pas voir à Nancy, L'analyse quoi. balistique indique un angle de trajectoire bas. Le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Après, je Et pense la trace que dans le laissée par le cinéma, coude pas semble trop loin chez indiquer que moi, la t'as balle même était pas 5 tirée par minutes. quelqu'un qui était allongé sur le sol. Ouais, bah là, t'étais comme moi, Dredd. T'as entendu que du négatif. Mais après, voilà, j'écoute plus les avis de tout le monde maintenant. Voilà, je me ferai moi-même mon avis. Regarde, comme. Et toi, t'as aimé les Animaux Fantastiques? Thibaut me dit que t'avais pas trop kiffé. Bah, en fait, j'étais déçu. Pour être honnête avec toi, Amandine, j'étais un peu Ces déçu empreintes du correspondent à film. celles du pingouin, mais elles se trouvent Parce qu'en par-dessus la fait, suie. La bah, police je avait pense que raison. Thibaut te l'a Le dit, pingouin était dans la je suis pièce, un mais ses ultra empreintes fan indiquent qu'il d'Harry est Potter. arrivé après les meurtres. Je suis un ultra fan Son nom d'Harry était Potter. Black Mask. Et Alors qui? en fait, tout ce La qu'on seule apprend chose dans dont le je sois film des sûr, c'est que Secrets le de tueur indiqué Dumbledore, venait bah tu le sais allongé sur déjà le en fait. sol. En fait, Pourquoi? j'ai rien appris de nouveau en fait. J'ai vraiment rien appris de nouveau et Ces traces blanches, c'est au du moment qu'il faisait cirage. ses révélations, je Lui savais qui a très bien tiré qu'est-ce sur qu'il allait Tiffany dire s'était quoi. traîné sur le sol. En plus des victimes, il y avait deux autres personnes dans la Thibaut pièce. aussi Le tueur était de déçu, Tiffany ou la moi j'ai personne qui adoré, a pris j'ai les vu deux tireurs. fois. Il faudrait que je Ouais, parce découvre une que bonne Thibaut partie il de savait cette très bien qu'est-ce créature qu'il allait là-bas. dire quoi. Les Animaux Fantastiques 3 fait le plus mauvais démarrage aux USA de tous les films Harry Potter. Ouais, j'ai vu ça. Parce que déjà, après, franchement, le méchant Ici, y est l'ADN appartient à nul aucune à des chier. victimes. Dimanche sur TF1, il y avait les Objectif. Animaux Fantastiques, je crois que c'était le 1. J'ai rien compris à l'histoire. L'incendie s'est Non, c'est le déclaré à 2 qui quelqu'un comme passait. la cible pour le tireur. Ça n'augure rien de L'ignore bon. qui a remporté le Ouais. combat. Surtout pour le Peut-être film, l'inconnu. pour un grand fan d'Harry Potter, t'inquiète pas. Même toi, Drake, si tu comptes Je le dois revoir voir, l'épreuve pour tenter d'en apprendre plus sur l'intrus et quand tu sur le verras les tireur. révélations de Dumbledore, tu fais What? Je connais ça dans Harry Potter, ils disent bien Harry. Et oui, ils disent tous. Et après, voilà, après, je compte faire une vidéo, mon avis dessus. Perso, le premier, j'ai bien aimé. Le 2, un peu moins, beaucoup trop incohérences qui m'ont dérangé. Ah bah tu vois, moi je dirais au contraire. Moi le... Ah en tout cas, j'avais rien compris ce genre, c'est Dumbledore, le perso principal. Non! Le personnage principal dans le film, c'est Norbert. Norbert, c'est... Si je dis pas de conneries, c'est
un cousin de Ron Weasley. Si je trouve bien. Thibaut m'a dit qu'il trouvait qu'il y avait trop de blabla et pas assez d'action. C'est vrai, c'était un. Je les reverrai de toute façon avant de voir le 3. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla. Il n'y avait pas beaucoup d'action, j'ai remarqué aussi. Mais sauf. En fait, le seul blabla qu'il faisait tout le temps, c'est que. C'est que voilà, tu savais très bien qu'est-ce que c'est, quoi. Comme. Qui était amoureux de. Voilà, qui était. Dumbledore était amoureux de quelqu'un. Je vais pas vous spoiler, n'hésitez pas. C'est que en fait, on savait très bien en fait. On sait très bien tous les secrets. Je te jure, Amandine, tous les secrets que dans le film apprend à Norbert, tu savais très bien. Dans Harry Potter, tu en parles. Dans Harry Potter, alors si je me souviens bien. C'est quand on revoit le passé de Dumbledore. Dumbledore, il parlait avec Harry pour dire qu'il quand il était plus jeune, il y a eu une grosse bagarre et tout. Comme par exemple quand on rencontre le frère de Dumbledore dans Harry Potter. Tu connais vraiment l'histoire de la personne dans le portrait. Mais là, dans le film, ils ont remis la scène là quand il raconte à Norbert. Mais qu'est-ce t'en as rien à foutre? Tu l'as déjà vu, en plus ça se passe. Ok, ça se passe bien avant Harry Potter. Ok, je suis d'accord là-dessus. Ça passe avant Harry Potter. Mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Parce que Harry Potter c'est déjà passé. Pourquoi il remet l'histoire là avec la sœur de Dumbledore, Dumbledore? Mais qu'est-ce que t'en regardes à foutre? Sérieusement. C'est ça qui m'énerve le plus, quoi. J'étais déçu du 2, je voulais tellement voir Dumbledore en action et pas passif. Bah, dans le 3, tu vois juste une scène vers la fin, mais vite fait, quoi, mais... Pff, ouais, quoi. Je crois que le film, il a surtout déçu ceux qui aiment vraiment beaucoup Harry Potter, de base, comme moi. Comme moi. Perso, je suis pas une nette de ces films, du coup, je les trouvais plutôt bien. Oui, voilà, si tu aimes bien regarder les trucs fantasy, tu peux passer un bon moment. Mais quand tu connais les Harry Potter, le livre Harry Potter, bah, tous les livres, les bouquins Harry Potter... Plus ces films, tu les connais par cœur, tu les as séchés de A à Z et tout. C'est sûr que tu vas pas kiffer comme. Tu vas être comme moi en fait. Mais si toi tu regardais pas trop Harry Potter, mais t'aimes bien le truc de fantasy et trucs comme ça, c'est sûr qu'il y a eu ton compte. En plus, je suis vraiment déçu que Johnny Depp ait pas pu reprendre le rôle. Et ben, tu sais quoi, dans le 3, tu vois complètement la différence. Ouais, c'est ça. En plus, Johnny Depp, il faisait tellement bien son rôle. Alors, je vous inquiétez pas, j'avance un peu, je vais parler un peu avec les abonnés, les amis, pour ceux qui regardent sur YouTube à la fin. Comme ça, vous avez mon avis aussi sur les animaux fantastiques. Mais c'est vrai, Johnny Depp, pour moi, c'est devait garder son rôle de méchant. Parce que le nouveau... Pff, voilà, quoi. Le nouveau, franchement, ça y va même pas du tout. Ça y va pas du tout, du tout, du tout. Ça gâche déjà le personnage de Rittenfall. Ça gâche son personnage. Et franchement, je sais pas, je suis tellement dégoûté. Franchement, et genre, je sais pas quel perso va représenter les quatre maisons. Il y avait la femme, je sais plus le nom, qui était aussi dans Harry Potter. Johnny Depp, il sait représenter le personnage. Voilà, c'est ça, t'as tout à fait raison. Après, je vois pas la femme que tu parles, qui a été aussi dans Harry Potter. Je pense que c'est plutôt la sœur de Dumbledore que tu es en train de parler sur le tableau. Si elle partage, je veux bien être de son côté. Ah bah, t'as bien raison, Amandine. Mais bon, je pense pas qu'elle va partager l'argent de comme ça. Hein. Du coup, je sais même pas où il faut. Ah oui, c'est ça. Tac. Ah. Alors. Non, c'est pas ça. Mince, comment tu fais pour. Mayday? Ah, ok. Attends. Voilà.
Attends. Hop. Matronada, j'avais entendu son nom dans le 2. Bah après, Matronagal, oui, tu la vois aussi dans le 3, mais vite fait, quoi. Pour moi, le seul positif qu'il y a dans le film, c'est le château de Poudlard et la musique de Harry Potter. C'est le seul truc positif que j'ai retenu du film. Hein. Parce que pour vous dire à quel point je me faisais chier dans le film, je suis même endormi dans le cinéma. Pour me faire endormir dans le ciné pendant le film, il faut vraiment il faut y aller. Hein. Et ils m'ont fait dormir dans le film. Hein. Pour vous dire des 30 minutes du film que ça a à peine commencé, je suis endormi. Hein. Tellement je me faisais chier. Pour vous dire à quel point... Ah oui, quand même. Ah bah oui, oui. Qui n'avait rien à faire là-dedans, d'ailleurs. Bah, Macronada, si, vite fait, pour... Parce qu'elle a été à Poudlard, mais voilà, quoi, sans plus, quoi. Mais voilà, vite fait, quoi. Du coup... Putain, j'ai l'impression que je suis en train de jouer avec mon jeu VR. Ah, attends. Attends. Faut que j'essaie de trouver le truc. C'est vrai, Amandine. Ah bah, quand j'étais avec Tim, tout le monde dormait aussi. Bah ouais. Bah moi, franchement, je me suis fait chier pendant tout le long du film. J'avais entendu son nom, j'ai dit, elle est fidèle à Dumbledore. Ouais, vite fait, quoi. Mais franchement, moi, je vais vous dire sérieusement, si c'est un film à oublier dans l'année, c'est bien celui-là, quoi. Vraiment à oublier. Wesh. Ok. Ah. Non. Attends. Ah, ok. Ah. Attendez. Suivez la piste rouge pour inspecter. La flèche rouge. La piste rouge. Sauf que dans Harry Potter, l'ordre du Phénix, le livre, tu apprends que Matronaya enseigne à Poudlard depuis 40 ans et quelques... Or, l'histoire à ce moment-là se déroule genre en 1995. Et les événements de Animaux Fantastiques se déroulent il y a bien de plus de 40 ans. Bref. Ouais, j'écris des pavés, plus rien à foutre. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'avais rien compris à l'histoire, on m'avait perdu. Ok. Mais après, voilà quoi. Après. Ok, il veut faire plaisir aux fans d'Harry Potter. Ok, pas souci. Mais ouais, faisait bien les trucs comme il faut, quoi. Après, ils comptent faire un 4, hein. Parce que, ils le disent bien à la fin qu'il y aura bien un 4ème, hein. Et ça me fait vraiment peur. Ou à moins que 4ème remonte un peu la pente. J'y crois pas trop, pour être honnête avec vous. S'ils partent dans le sens comme ils l'ont fait, ça me fait peur, hein. Sérieusement. Carnage is coming. Voilà, c'est ça. du coup. Bah. Là, par contre, je. Voilà, à cause des animaux fantastiques, ça y est, ça. Je suis perdu.
Peut-être par là. Non. Ah. Je suis perdu. Wesh. Suivez la piste rouge, vous inspectez. Ah oui, mais je veux bien. Je veux bien inspecter mon petit. Mais où t'es la piste rouge? Ok. Je veux bien suivre sa piste rouge. Ah mais ça c'est quoi? Je suis bloqué, je suis bloqué. Ouais voilà quoi. Pour finir sur les animaux fantastiques, les amis, voilà, vous attendez pas un chef-d'œuvre, hein. Honnêtement. Tout. Ah, attends. Bah non. Ok. Je ne sais plus comment faut faire. Ah, c'est une blague, les amis, on va pas rester non plus. Je crois que je vais rester tout le live dans ce niveau ou quoi? Ça se passe comment? Ah. Non mais il faut faire un truc là. C'est bien beau de me dire qu'il faut suivre la piste rouge. Mais y a pas de piste rouge. Ça nous fait réfléchir tout ça. Hein. Attends. Attends. Je crois que j'ai trouvé. Au moment qu'il met la main, l'autre. Parce qu'on faut pas.
de scanner. Je vais essayer. Bon, par contre, ça c'est chiant, on peut pas aller plus vite, ça. Alors. Normalement, monsieur, il va bientôt mettre sa main. Détecter. Ok. Ah. Attends. Ouais. Je suis bloqué, c'est super marrant. Il manque un truc, quoi, c'est pas normal. Ah, attends. Non, ça c'est fait. Le numéro 1, c'est fait. Ah, attends. Ça c'est fait. Ok. Ça c'est fait. La fenêtre peut-être. Bah j'essaie de faire la fenêtre mais ça marche pas. Je fais depuis la fenêtre, mais ça marche pas. Ah, il joue Batman. Celui-là, je comprends pourquoi j'avais pas fini. Hein. Mais, rebobine, mais. Je peux chercher si tu veux. Ouais, vas-y, si tu veux, ici. Hein. Sinon, on va passer pendant des heures et des heures. Ah, je te le jure. Yo, salut Thibaut. Comment vas-tu, mon cher ami Thibaut? T'as fait une bonne route? Wesh! Comment vas-tu, mon cher Thibaut? T'arrives tout pile quand je galère, quoi. T'arrives tout pile quand je suis galère. Oui, tranquille, avec personne. Ah bah ça. Ouais, bah pour le moment tu me vois galérer, hein, c'est cool. C'est vraiment cool. Parce que ça c'est terminé. Là, je vois pas du tout c'est quoi. Hein.
Au secours! C'est pas possible. J'ai horreur de ça, d'être bloqué dans un jeu, mais tout con, quoi. Je vais pas mettre ça comme épisode. Allez les amis, je vais pas mettre ça comme épisode quand même sur YouTube, si. Qu'on revoit chercher comme je sais pas quoi. Très intéressant, hein. Waouh. Je peux pas t'aider. J'ai jamais fait le jeu. Ah bah merde. Ah t'as trouvé Alicia, c'est quoi alors? Alors ma petite Alicia. Je crois qu'Alicia va peut-être nous aider à faire la suite le jeu, les amis. Qu'est-ce que c'est, Alicia? Ça fait quand même une demi-heure qu'on passe dessus. Hein. Oh la vache, la soirée karaoké que j'ai en train de vous faire, les amis. Alors, le jeu Assassin, ça fait ramer en live. Du coup, je suis dégoûté et en plus, j'avais mis les bonnes conditions. Regarde Thibaut, le signe d'assassin. Normalement, vers la fenêtre où tu vois une sorte de personnage, tu scannes la quête. Ah, ok. Attends. Alors, on va voir. Alors là. Ouais, mais tu fais comment pour scanner? C'est marrant, eux. Ah, attends. Zoom, zoom la tête. Oui, bah je zoome la tête, Alicia. Attends. Hop. Allez. Ah oh non, ouais, dis pas c'est ça. Bah. Eh, c'est une blague? Mais où la tête? La tête qu'on veut. Voilà, c'était pas mal là. Non? C'est la réponse D! Non mais, hey, c'est une blague? Eh hey, les amis, c'est une blague. J'arrive pas à zoomer une tête. Attends. Non mais, hey, c'est une blague? Regarde! Pourquoi il me met là? Attends. Tiens, monsieur, là. Attends. Regarde. Ça fait rien. Ça fait rien du tout. Au secours! Attends, on va faire un truc. On va redémarrer. Ça se trouve, j'ai fait bugger le truc. À mon avis, c'est peut-être possible aussi. Hein. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Bon. La police pense que le pingouin a assassiné Black Mask. Oui. Mais pourquoi m'enverrait-il ici si c'était lui le tueur? Oh, ça n'est pas logique. Oui, c'est pas logique, oui. Allez, hop, on analyse. Du coup, on va analyser ça. Voilà. Ce crime a eu lieu il y a quelques jours.
Le feu et l'exposition aux éléments rendent l'identification. On va recommencer, ça se trouve, j'ai fait peut-être bugger le jeu, je sais pas. Je ne peux pas savoir s'il s'agit bien de Roman Sion, c'est ça. Je ne peux pas faire ça sur place. Franchement, je vous dis clairement, ça me surprendrait même pas. Voilà. Je peux identifier la victime féminine grâce à ses empreintes. Tiffany Ambrose, la petite amie de Roman Sionis, ou l'une d'entre elles. Ce n'était pas un ange, c'était une délinquante. Mais rien ne semble indiquer que c'était elle la cible. Bon, après, on va regarder un peu par là. Là, on a vu. Voilà, là c'est bien, on a vu. Et après, il y a ça. L'incendie s'est déclaré à cause d'un cocktail Molotov lancé dans la pièce. On va réussir, les amis. Vous intégrez pas. C'était sans doute dans le but de détruire l'épreuve. Ok, ça, on l'a vu. Ok. Après, nous avons ici. La trajectoire basse de la balle suggère que le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais les marques sur le sol indiquent que la victime a été tuée par une personne enfoncée dans un fauteuil. Le fauteuil. Cette balle provient d'un revolver. L'analyse balistique indique un angle de trajectoire bas. Le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais la trace laissée par la poudre semble indiquer que la balle a été tirée par quelqu'un qui était allongé sur le sol. Alors là, après... Ces empreintes correspondent à celles du pingouin. Mais elles se trouvent par-dessus la suie. La police avait raison. Le pingouin était dans la pièce. Mais ses empreintes indiquent qu'il est arrivé après les meurtres. S'il n'a pas tué Black Mask, alors qui? La seule chose dont je sois sûr, c'est que le tueur de Tiffany était allongé sur le sol. Pourquoi? Ces traces blanches, c'est du cirage. Celui qui a tiré sur Tiffany s'est fait traîner sur le sol. En plus des victimes, il y avait deux autres personnes dans la pièce. Le tueur de Tiffany et la personne qui a traîné le tireur. Il faudrait que je découvre d'où est parti le tir qui a tué l'homme. Ici, l'ADN n'appartient à aucune des victimes. À qui est-il? L'incendie s'est déclaré quand quelqu'un a surpris le tireur. J'ignore qui a remporté le combat. Ça peut être l'un comme l'autre. Je dois revoir les preuves pour tenter d'en apprendre plus sur l'intrus. Ou sur le tireur. Ok. Alors. Du coup, on va le remettre par la fenêtre, ok? L'analyse du tissu indique que... J'arrive maintenant. Un costume blanc ou une veste de sport. Non, mais c'est une blague. Cet échantillon de tissu devrait m'aider à identifier l'intrus, mais je n'arrive pas à identifier le tueur de l'homme. Désolé, ça a été coupé, tu as réussi ou pas? Que je n'ai pas. Bah, je crois que j'ai réussi hein, maintenant. Je vous jure, les amis. Merde, par contre, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah, il faut aller là-bas. J'ai réussi, je crois. Mais c'était tout con, hein. Cet ADN provient de la femme qui a été tuée. Le niveau d'oxydation suggère qu'il est là depuis plusieurs jours. Si j'analyse les preuves, je pourrais sans doute découvrir ce qu'elle faisait quand on l'a attaquée. Ouais, qu'est-ce que tu faisais, ma petite, avant de mourir? Attends. Elle envoyait des messages à Roman Sionis. Voilà, j'ai réussi. Au sujet de quelqu'un appelé. Ah non, mais les gars, je suis vraiment fatigué, je crois. Quelqu'un a tué Black Mask, mais ce crime a eu lieu il y a plusieurs jours. Non, non, tu t'es pas trompé, Alicia. Black Mask. T'inquiète, tu t'es pas trompé. Les réponses que j'ai soulèvent d'autres questions. Qui est le Joker? Non, en tout cas, merci, hein, Alicia. Est-ce lui le tueur? Ou fait-il partie des assassins? Merci, merci. Un cadavre, un tireur inconnu,
et à l'agresseur non identifié qui a attaqué le tireur. Je dois comparer les échantillons ADN avec ceux de la base de données nationale des criminels pour savoir qui était dans la pièce. Alfred, je dois accéder à la base de données nationale des criminels. La seule façon d'y accéder, c'est de réussir à s'introduire dans les locaux du GCPD. Alors c'est là que je vais. Monsieur, vous devez pirater leur serveur physiquement. Si vous voulez le faire, il vous faut une arme non-létale très puissante. Je vous conseille de revenir ici pour prendre le détonateur à concussion. Bonne idée. Ah, on va aller à la Batcave. Ok, au niveau supérieur, ok. On va pouvoir enfin comment continuer un petit peu, les amis. Mon Dieu, mon Dieu. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Oui, il faut aller à la Batcave. Mais est-ce que la Batcave... On peut retourner directement... Elle est où la Batcave? Ah, il faut déjà titrer l'endroit. Ok. Je vais me coucher, je reprends ma formation demain. Bonne soirée tout le monde. Des bisous. Ok, des bisous Alicia. Et encore merci pour être venu, pour revoir rester un petit peu. Ça fait plaisir. En tout cas, tu auras la vidéo sur ma chaîne très prochainement. Comme ça, tu pourras regarder la suite, quoi. Et bon courage pour toi demain. Ok. Ah là 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 là. Alors. Répondez. Delta 8 au rapport. Delta 4-4, pas de réponse. 4-4-2-2. Vous pouvez entrer pour confirmer le statut de 8-2. Ah là là là, je vous jure, les amis. Avec moi, on rigole bien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Wesh, il te dit d'aller où là? Alors. Ah, oui, c'est vrai. Normalement, tu peux aller directement à la Batcave. Voilà. Ça, je me rappelle, ça, par contre. Oh, tant pis, il y aura quand même la rediff sur YouTube. Hein. Comme ça, au moins, ça fera rigoler un peu tout le monde. Bienvenue, monsieur. Le détonateur à concussion est sur le plan de travail. N'oubliez pas, si vous l'utilisez au lieu de vos points, vous ferez moins de dégâts sur les policiers et les employés de l'État. C'est noté. Ok, ok. Il me dit sur la table. Est-ce que c'est ici? Yes. Allez, nouvelle gadget, les amis. Ok. Accéder au serveur. Attends, accéder au serveur. Ah, c'est, on faut repartir. Ok, on repart. Hein. On repart, on repart. Ah, c'est là-bas. Ah, c'est loin. Le seul endroit où je peux aller, c'est ici. Bon bah, tant pis. Ok. Hop. On y go. Plaza, un combat de mal s'est pointé. Ça a très mal fini. Tu crois qu'ils ont laissé le mot à tous?
Allez. Ouais, du coup, le premier épisode de Batman, les amis, pour ceux qui sont sur le live encore, je pense que je sortirai dans la semaine. Alors, je sais pas quand. Et puis comme ça, le deuxième épisode, bah, ça sera l'autre semaine, quoi. Ou je vais peut-être mettre les deux épisodes avant qu'on fasse le troisième épisode. Je verrai bien. Du coup, il y a peut-être moyen que le premier épisode, ça sera en avant-première. Ça veut dire que je serai sur le chat de la vidéo, comme ça on pourra se parler et tout, quoi. Comme je vais faire pour les pay-per-view. La garde a été doublée dans les locaux de la police depuis la mort de l'homme. Vous allez devoir trouver un moyen d'entrer sans vous faire repérer. Sinon, vous n'atteindrez jamais la salle du serment. C'est compris, merci. On les laisse faire leur petit trafic d'armes tranquille. Bonjour. Boum. Wesh. Voilà. Beau fou. Allez, Batou. Ah, il me voit pas, hein. Bon, bah. Allez, nous, on veut d'action, nous. Attention. Bonjour. Bim. Non mais hey. Bougez-vous. Wesh. Bon bah voilà, vous avez perdu les gars. Voilà. Game over. Allez go, on rentre. Ouais, du coup je ferai ça les amis. Je ferai ça. Bah je pense que ça sera peut-être mardi. Ouais, peut-être mardi ou mercredi. Je verrai voir, je verrai bien les amis. Et comme ça, je mettrai ça. Du coup. Il faut que j'aille où? Ça c'est bien beau rentrer. Mais après, il faut, faut savoir où il faut aller. Ah bah oui, ici. Du coup, pour prendre mes objets, c'est où? C'est là. Non, c'est pas ça. Voilà. Parfait. Boum. À lui exploser. Je serais bien allé jeter un œil, mais tu vois, tu mets ton nez. Ah ouais, ok, il y a quelqu'un de l'ascenseur. Ça va pas être facile. Et si je veux accéder à la base de données nationale des criminels et découvrir ce qui s'est passé au Lacey Towers, il faut que je trouve la salle du serveur. Ah, sans te faire repérer. Sans te faire repérer, ça c'est pas pour moi ça. je suis nul en infiltration. Super, ça promet. Ok. On va bien rigoler, les amis. Censé garder. Coucou. Devez-vous être si brutal, monsieur? Ce sont des employés municipaux. Ils sont corrompus. Ils me bloquent la route. J'aimerais que vous réfléchissiez à cette approche, monsieur. Vous ignorez quand vous pourriez avoir besoin de leur aide. Quoi qu'il en soit, okay. Votre objectif est la salle du serveur du GCPD. Je l'ai indiqué sur votre carte. Déteste les clodos. Ouais. Mais d'où il a surgi? Ah.
Bonjour. C'est pas tout. Bim. Bon, vous êtes nuls, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Je ne pourrais pas ouvrir des portes comme ça avec mon séquenceur cryptographique. Je dois trouver un autre moyen. Tu dois trouver un autre moyen. Ah, mais oui. Attends. Je pense pas que ça va fonctionner, ça. Bon. Non. Ah mince. Non, ça c'est pas ça. Ah, peut-être avec ça. Mais non, ça c'est... Non, non, non. Réfléchis. Faut faire un truc ici. Ah, ici. Regardez en haut. C'est avec ça. Voilà. Il faut réfléchir dans ce jeu, hein, les amis. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors. Je n'ai aucune chance contre tous ces hommes armés. Je peux utiliser la griffe de Deathstroke à distance pour passer au-dessus de leur tête sans me faire voir. D'accord, écoute-moi. Quand vous jouiez les nettoyeurs à Black Gate et Flood, qui étaient en train de vous faire de l'argent, j'ai conclu un marché avec un pote Black Mask. Si l'un de nous peut tuer Batman avant que ses assassins l'atteignent, on aura la prime. Pour ceux d'entre vous qui sont pas très cohérents, je ne dois pas faire de bruit. Il ne faut pas que ces agents du SWAT m'entendent. Tais-toi. Oh non! Bagarre! Écoutez, vous avez accepté de risquer votre vie en retournant sous. Vous avez accepté de faire des frites. C'est comme ça que ça va. Ceux qui veulent partir peuvent prendre leur assiette. On peut y aller. Attendez, Grandel. Comment on sait que Black Mask ne reste pas sa main? Black Mask, dis-nous le fil en l'air. Bonjour! Essaye de me toucher là, bon. Bon bah je les ai fait le ménage les amis. Hein. J'ai fait le ménage. Parfait. Ah oui, ça ça va être le code. Ok. Parfait. Bah, je suis pas mal débrouillé. C'est cool. Si on trouve pas de saloperie sur lui, on l'en fabrique. Et si le capitaine Gordon autorisait les détenus des cellules à se balader, tu veux dire qu'on doit les libérer? Une petite émeute carcérale ici au GCPD. C'est Batman. Bonjour. Boum. Bonjour. Et bim! Alors. Ouais, mais il faut aller où du coup? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire exactement ton brûleur?
Un peu de ceci, un peu de cela. Mais la plupart du bonjour. Temps, pas encore toi. Allez, viens là, toi. Parle, ou tu ne pourras bientôt plus marcher. Jamais. Ah, tu vas devoir expliquer pourquoi tu m'as balancé de ce toit, vieux. Non, c'est toi qui vas devoir t'expliquer. Comment marche ce brouilleur? Demande à un des poulets. Il est dans le local décelé. Et si on allait faire une petite balade sur le toit? D'accord, d'accord, t'as gagné. Il brouille les armes et il ouvre les verrous électroniques, d'accord? Bon, tu vas me lâcher, hein? J'hésite encore à te lâcher, mon cher. Allez, fais dodo encore une fois. Ok. Ah, j'aurais peut-être dû passer de côté. Ouais. Je vais retourner à PSA, je vais repasser l'autre porte. Bonjour. Moi j'avais esquivé normalement. Boum bam bam bam. Allez hop. Bim. Bon attends, je m'occupe de eux avant s'il te plaît mon ami. Ah, il te reste que toi. Allez, c'est parti. Bam bam. Et boum. Voilà. Alerte de niveau 1. Attention à tout le personnel. 211 signalé dans le secteur. Ah, niveau supérieur. Vas-y, je vais activer celui-là. Ça a l'air pas mal. Allez vous mettre dans un abri. Vous rigolez? C'est là qu'ils nous rassemblent. Vous ne comprenez pas. Anarchy a tout compris, mais vous, vous ne comprenez rien. Oh, calme-toi, mec. Porte verrouillée. Ah. J'ai vu un truc. Ah ouais, c'est pour aller... Non, c'est pour aller là-haut. Ah, peut-être, attends. C'est où tout est commandé? Voilà. Non, c'est pas comme ça. Wouhou! Bon. Normalement, ici ça doit être fermé. Hein. Ok. Mais normalement, tu dois faire un truc ici. Tu dois faire quelque chose ici, normalement. C'est normalement... Oh. Oh non, c'était marqué. Regarde, c'est... C'est marqué de temps en temps. Ah ok, c'est pour aller là-bas. Ok, ok. C'est chaud, hein.
attends. Bon, attends, c'est où la carte? Elle est ici. Et nous, on doit aller. On doit aller en haut. Ah ouais, on doit aller ici. Ok. Sauf qu'il y a une porte. Ah oui, il y a vraiment une porte où on peut aller. Là. Mais sauf qu'il y a CD. Faut faire un truc. Parce qu'en gros, c'est une porte ici. Là. Tu peux aller à la porte là-bas en face. Mais nous, comment on peut aller? Ah bah. Voilà. Je connais ma réponse. Je vous jure. Là. C'est tout con, hein. Mais je vais aller, mais des trucs à la con. C'est un truc de fou, quoi. Est-ce que tu m'entends ou quoi? Je me fiche de tout ce qui se passe. C'est fou, quand même. Des renforts. Tu veux des renforts? Bah tiens. Ils sont là, tes renforts. Allez. Ah. Un petit chargement. Qui fait plaisir. Alors là les amis, pour être honnête avec vous, je découvre le jeu maintenant, hein, parce que je crois que la première fois que je suis arrêté, c'était bah, là où j'étais bloqué en fait. J'ai jamais été plus loin. Du coup c'est vraiment que de la découverte que je vais faire avec vous en fait. Batman est dans le bâtiment. La dernière fois qu'on l'a vu, il est vers vous. Soyez prêts. Alors, il y a 8 ennemis à tuer. Mais ils sont tous armés. Si on tire, faut faire de la paperasse. C'est pour ça qu'il faut utiliser les points. Ok. Allez, viens ici, toi. Non. On peut pas l'attacher. GCPD peut tenir tête à. Ah. Allez, fais dodo. Oh, attends. Toi, t'es ma prochaine vite. Il est dans la pièce. Merde, ils m'ont vu. Le suspect est par ici. Ils m'ont vu. Le suspect a disparu quelque part. C'est pas possible. On te fait aveugle. Agent à terre. Agent à terre. Hé, par ici, il y a un homme à terre. Allez, moi, c'est bon, la putain, c'est pas pour moi. Ah. C'est bon, j'ai tué tout le monde. Parfait. Bon, voilà. Hein. Ah. Ah là 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 là, c'est trop facile. Comme je vous ai dit, infiltration et moi, ça fait deux. Hein. Je suis plus un mec bourrin. Je vais laisser ça pour les gars du SWAT. Pourquoi ça? Et merde. Randen a fait un deal avec Black Mask. Ils essaient de tuer Batman pour récupérer la prime. Salut. Dormez bien, les amis. Hein. Alors. Alors, la carte. Ils te disent aller. On est ici. Ouais bah du coup on continue tout droit quoi.
Ok. Et là, on a juste à ouvrir le passage. Ah, bah oui. Ça serait trop facile si... Ils utilisent un protocole de sécurité que je ne connais pas bien. Et les fenêtres sont en verre blindé. Le brouilleur dans le local décelé pourrait faire l'affaire. Oh. Il faut que j'aille où, du coup? Ah, dis pas, il faut redescendre. Ah si, il faut redescendre. Ok. Du coup... Non, on peut pas... Attends. Ok, ça veut dire qu'il faut que j'aille par là. Que je prenne l'autre porte. C'est normalement qu'il y a une porte à où on peut aller. Non, j'ai aussi fait. Attends. Non, là, j'étais trop loin. Alors. Allô. Ah, peut-être par là. Non, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Batou? Batou... On sait qu'il y a un chemin ici, mais... Qui fait comment pour y accéder? Ouais, mais là, c'est... Ça sert à rien. Ah, ça sert à rien. Tu as des escaliers là-haut, mais bon, ça mènera à rien. Comment je peux y accéder? Attends. On est bien d'accord, c'est la porte est là-haut. Si je monte par là. Ah bah voilà. Ah bah non. Le parleur... Attends, on se dit pas c'est ça. Ah non. Ah non, les deux, ils disent aller au côté. Ah mais tu veux qu'on passe comment dans l'ascenseur? Il est marrant. Ils sont des comiques quand même. Hein. Parce que pour eux, c'est dans l'ascenseur. Hein. Bon, on va voir si ça peut exploser, mais ça m'étonnerait. Hein. Ouais, voilà. Du coup. Faut que je réfléchisse comment je peux faire. Parce que la fin de la mission, en fait, c'est là-bas. Hein. Mais sauf, il faut aller chercher un brouilleur. Ouais, c'est ça, le brouilleur. Mais comment je peux y accéder? Parce qu'il y a juste une seule solution. Hein. C'est le chemin là, en fait. Et pour y accéder... Comment je fais? Tac. Bon, là, ça sert à rien, mais... Ok.
Il y a sûrement un autre chemin en hauteur. Putain, pourquoi pas la porte là? Non. Non. Putain, c'est fou quand même. Ok. Bon. Bam. Ah, putain. Mais non, ça va à rien. Là. C'est juste une porte. Ça mène de rien. Ok. Là c'est pour se cacher. Ah bah attends, le brouilleur. C'est quoi ça? Ah non, c'est pas un brouilleur. Ok, c'est pour avoir sûrement le dernier objet du jeu en fait, peut-être. Ok. Bref, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce live. Parce que demain, je vais au boulot. Demain, je reprends le boulot. Du coup, j'ai pas envie de me coucher trop tard. Parce qu'en plus, là, je vais tourner le premier épisode de Assassin Valhalla. J'avais trop envie d'y jouer. Du coup, je pense que je vais tourner un épisode aujourd'hui, ce soir, avant d'aller au lit. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus. Merci à tous pour être venus jusqu'au live. Quant à vous, YouTube, vous aurez les rediffs de Batman, mais vous aurez en let's play de Assassin Valhalla. Du coup, vous aurez en let's play en vidéo, quoi. Merci à Thibaut, merci à Amandine, merci à Alicia, merci à Drake14 d'être venu sur le live, merci à vous quatre, les amis. Après, je sais pas si vous êtes encore présents sur le live, mais voilà, je voulais vous remercier. Et puis, nous, du coup, on se dit sûrement à demain. Demain, normalement, il doit y avoir Zay qui sera de retour sur la chaîne Twitch, évidemment. Du coup, Zay il reviendra sûrement demain, peut-être s'il change pas d'avis ou s'il n'y a pas encore un autre imprévu. Par contre, s'il y a un autre imprévu demain, s'il n'y aura pas du Lost Ark ou Eden Ring, il y aura sûrement du, je sais pas, peut-être du Final Fantasy ou un autre jeu, on verra bien. En tout cas, voilà, je vous laisse ici, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, les amis, pour ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. N'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite des aventures. Allez, salut tout le monde, bye bye. Et bonne soirée à tous.